petites licettes là, ça, qui sont vénéneuses. Les petits pets de loup, là, qui sont un petit peu au fin de course. Ah, ça, c'est des petits agaricus semotus. Ça a un goût d'amande très marqué et c'est très bon. Ah, ben ça, c'est les Lacaria lacata. Qu'est-ce que c'est, celui-là? C'est des petits Lacaria. Non, ça, c'est pas bon. Il peut y avoir des meuniers, normalement. Qu'est-ce que c'est que ça? Et oui, un beau meunier. Il y a 55 ans maintenant que je champignonne. Et puis au début, ben, on en apprend, je sais pas, peut-être 5 ou 6 par année, on mémorise. Et puis pour finir maintenant, ben, bon, voilà, j'arrive à déterminer à peu près 300, 350 variétés. Donc c'est facile que tu en aimes quelque chose. Donc moi, j'ai pas de difficulté pour apprendre à partir du moment où j'aime. Encore quelques-unes. Je suis beaucoup allé au Mont-Pèlerin parce que j'habitais dans la région et puis c'est une forêt qui a toujours été riche en variétés de champignons, variétés d'arbres aussi. Et c'est une forêt où je passe une bonne partie de ma vie là. C'est pas la partie la plus désagréable là, de ces forêts, j'y suis bien. Et puis il y a une sérénité que je trouve là-dedans et une lumière aussi qui est superbe. Là. J'ai vraiment du plaisir à venir dans ces forêts. Nicena pura, ça c'est pas comestible. Où sont les bolets? Les champignons, j'ai commencé à y aller, j'avais 14 ans, et j'avais un copain, mon père, avec qui j'allais à la pêche. C'était sympa, moi j'aimais bien ça. Puis un samedi, il m'a dit, ben écoute, on va pas au bateau, mais on va monter aux Pléiades pour aller aux champignons, viens avec moi. Et puis ça m'a vraiment plu, puis après j'ai continué, puis comme ça me plaisait bien, ben, j'ai persévéré, puis après, bon, il a fallu travailler pour apprendre. Mes parents n'allaient pas aux champignons, mais par contre, ils adoraient les manger. Alors à l'époque, ils en achetaient au marché à Vevey. Ils achetaient de temps en temps des chanterelles et puis des cornes d'abondance, c'était les moins chers. Bon, tout venait de la région, hein. C'était à l'époque, il n'y avait pas d'importation comme ça. Et puis c'était quand même relativement cher, hein. C'était quand même un petit peu un produit luxe, alors on n'en mangeait pas souvent. Et puis après, quand j'ai commencé à y aller avec ce copain, alors encore on en mangeait régulièrement, c'était plutôt sympathique parce qu'on en mangeait plus souvent. Adieu. Ah bah ça, les rillettes et puis le sauciflor. Puis ouais, ça, c'est ça. On est allé jusqu'à Lugrin. Ouais. Tout ce que tu cours, tu perds. On est allé jusqu'à Lugrin. On a pensé à toi. Ben, c'est bien. Ben, je vais mettre ça tout de suite à la chambre froide. Ouais. Voilà, comme ça, ben. On t'a pas demandé, mais on sait que tu aimes. Ah ouais, c'est bon, ça. Y a pas de problème. Là, ton Luder, il est encore pas venu, tu vois. Alors, mais bon, j'avance tout ce que je peux. Merci bien, bon après-midi. Merci. Bonne.
je n'arrive plus à avoir assez de marchandises parce qu'ils veulent tous des champignons du pays sauvage. Et puis voilà, puis je n'arrive plus à en trouver assez. Et mes ramasseurs ne me trouvent plus non plus suffisamment. Alors, une majeure partie de ce que j'ai des fournisseurs attitrés qui me fournissent, j'en ai deux, disons, pour les champignons de culture et puis les champignons de sauvage de France ou de, les morilles de Turquie, disons, parce que c'est pas celle du pays qui trouve plus grand-chose, hein. Oups, l'arbre a commencé à travailler. Ben voilà. J'avais jamais prévu de... J'allais beaucoup chemin, mais j'avais jamais prévu de devenir commerçant champignon, disons, c'était pas du tout mon... Mais comme je n'avais plus de travail bientôt de mon métier de dessinateur, grâce à l'ordinateur qui avait tué mon métier, enfin, qui l'avait transformé, alors, voilà, j'ai eu cette occasion de reprendre un commerce, et puis... Puis je l'ai fait. J'avais 55 ans quand j'ai repris le commerce. Là, il y en a qui sont moins jolis. Salut, Flavien. Salut. Ça va? Oui. Combien t'en faut? 300? Ouais. 300 puis 400 chanterelles. 400 chanterelles, ouais. Ouais, elles sont belles. Elles sont magnifiques, toi, jolies, tu vois. Ouais. Toutes fraîches, là. Ouais, alors, ouais, puis impeccable. Toujours en train de nettoyer, le beau frère. Ouais, mais il est là depuis la semaine passée, là. C'est pas mal. On lui amène à manger le soir. Puis il est bien payé, je paye trois versements. Le premier à vue, le deuxième à longue vue, puis le troisième à perte de vue. C'est pour ça que je viens. Pas forcément pour les bolets, c'est pour ça. Toujours le mot pour rire. Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça ici. Je suis français, je suis niçois d'origine, mon père était niçois. Bon, mais par exemple, en Suisse après la guerre, moi, je suis né ici, disons, je fais toutes mes écoles ici, mais on roulait pas sur l'or. Ben, le mercredi après-midi, quand on avait congé à l'école, on allait facilement se balader, puis à peine on sortait de Vevey, il y avait des haies, il y avait des fermes, c'était pas du tout des zones de villa. Alors on trouvait des meurons sauvages, des framboises, un petit peu des trucs comme ça. Il y avait aussi des noix aussi au bord des chemins. Et puis ça nous permettait de... Mon papa était déjà un grand gourmand. Ma maman était une excellente cuisinière. Avec rien, elle faisait des trucs merveilleux, disons. Et ça m'est resté aussi ce goût des bonnes choses. Je vivais à l'écart de la place publique, serein contemplatif, ténèbres bucoliques, refusant d'acquitter la rançon de la gloire. Sur mon brin de laurier, je dormais comme un loir. Les gens de bon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre et que sous peine de choir, dans un oubli complet, je devais mettre au grand jour tous mes petits secrets. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Brassens, c'est la langue française qui manie, une langue française fabuleuse. Et puis en plus, le personnage, quoi, sa philosophie qui me convient parfaitement. Je suis très vite reconnu de ce type. Il prenait la vie comme ça un peu du bon côté, et surtout qui. Ouais, c'est d'anarchie, mais douce, et puis c'est gentil, parce que c'est un type qui était d'une gentillesse incroyable. Hein. Ça profite assez drôle de jouer le jeu de l'amour en inversant les rôles. Et puis se gênait terriblement sur scène. Il gardait toujours ce côté un petit peu, ouais, une réserve. Et puis c'est là que j'ai aussi ce côté, moi, j'ai de la peine un petit peu à m'exposer comme ça en public, et puis je vois pas la nécessité. La nécessité actuelle que tous les gens se filment et puis on voit, c'est un truc que moi je ferais jamais. On a vraiment Brassens avec nous, ça. Quand on va manger au restaurant, j'ai deux, trois amis, la première chose qu'ils font, c'est de photographier les plats pour envoyer à toutes leurs connaissances. Moi, je préfère manger chaud, donc déjà pas respect pour le cuisinier. Mais c'est un truc qui me dépasse totalement, disons. Cette espèce de besoin d'être célèbre, d'être... Non, moi, j'espère être apprécié pour les champignons que je fais. Une vie simple, et puis j'aime bien ce côté de Brassens. Mais voilà, c'est qu'il emmerdait personne, puis il voulait pas être emmerdé non plus. C'était un petit peu le... Et c'est ça qui me plaît, ça a été toujours un petit peu toute ma vie comme ça. Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignons, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées.
Or, sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies, perdant toute mesure, se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol. J'aime les champignons depuis longtemps. J'allais déjà avec mes parents quand j'étais bébé. Déjà toute petite, ils me prenaient dans le sac militaire. C'était mon grand-père qui me portait dans le sac militaire pour aller aux champignons. Et puis quand ils arrivaient dans le coin de Maury, on me sortait du sac, on me posait par terre, puis on me disait « cherche ». Et puis moi, je cherchais. Ah ben, tu vas pas me dire que t'es tout seul, quand même. Ah ben oui, apparemment. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait énormément de champignons. Maintenant, ben, il faut passablement courir pour trouver quelque chose. Ah ben, voilà deux, trois. Quand je suis dehors, j'aime bien être seule comme ça pour aller aux champignons. J'aime bien, voilà. J'aime bien être toute seule quand je suis là. C'est vrai qu'il est très difficile de trouver des coins champignons. Alors quand on s'en trouve un, on essaie de se le garder. Ici. Ah, meunier, là. J'avais rencontré pour la première fois Jean-François au Mont Pèlerin. Et puis lui, il avait plein de trucs déjà dans son panier. Et puis c'est là qu'on s'est vu la première fois. Puis après, on s'est reperdu de vue. Et puis un beau coup, ben, on s'est retrouvés bien sûr dans un coin champignon, comme il y est tout le temps, puis que moi aussi. Donc c'était inévitable qu'on se tombe dessus une fois quand même. Et puis ben, on a discuté et tout. Et puis il m'a invité à manger chez lui. Et puis voilà. Puis après, bon, on a continué de garder le contact. On était des fois un peu aux champignons ensemble. On se fait des petites bouffes ensemble. Et puis c'est bien sympathique. Oh, je viens bientôt bon pour l'écarisseur. Pas tout à fait encore. Hein. Non, encore pas tout à fait. Je crois qu'on a encore un petit peu de marge. Okay. Quoi qu'il y a des fois, je me pose aussi la question. Hein. Non, on est encore bon. Un pied de la tombe, puis l'autre sur une peau de banane. Ouais, bon, là, t'as pas gagné. Non, moi, c'est encore bon. J'espère que j'ai encore de la lumière un peu à tous les étages. Parce que c'est vrai qu'il est très agréable, il est très sympa. On rigole bien. Voilà, c'est un bon vivant. Il aime bien ce qui est bon, il aime bien manger, il aime bien boire un verre de temps en temps, surtout les bons produits. Hein. Lui, il aime mieux la qualité à la quantité. Ah, le marché de Berne, moi je l'ai découvert parce que mon prédécesseur y allait déjà. Hein. Puis les premières fois, les trois ou quatre premières fois, il est venu avec moi pour me montrer un petit peu comment ça se passait. Et puis très vite, moi je me suis senti à l'aise. Et puis bon, il y a aussi, pour connaître beaucoup de Bernois, on parle français parce que c'est pas avec mon allemand que je m'en sors bien. J'ai les marronnes rurik, ça vous les donne, hein? Voilà. 100 grammes et 100 grammes. Là, vous avez 100 grammes ici. Vous mettez. Mais aussi avec, voilà. 5. Alors, 54, s'il vous plaît, madame. Puis alors, si j'ai samedi prochain, je mets toujours de côté si j'ai Maronen Röhrling et puis Bollet. Hein. Puis si j'ai quelques sauterelles, je mets aussi de côté, mais ça, c'est pas sûr. Hein. Quelle heure est-il? Oh, ça va. Mmh.
Au début, c'était dur, hein, c'était terriblement difficile. J'ai eu des années là, de galère, 6-7 ans de galère, où je faisais des petits travaux à côté pour survivre financièrement. Puis après, ça donnait le tour, et puis maintenant, le commerce marche bien. Puis avec l'AVS, ben, ça me fait un complément, j'arrive à vivre, disons. J'en ai combien maintenant? Il y a 220 grammes. Une toilette pour deux, oui, ça va. Ça devrait jouer. Alors, 26,60, s'il vous plaît. Voilà, monsieur, pour 12 francs, s'il vous plaît. 100 grammes chanterelles. Des petites, volontiers. Je vous donne déjà ça. Après, je vais noter, parce que je ne sais plus combien il y a après. 37,50, s'il vous plaît, madame. J'ai connu Grommy qui vendait chez un autre marchand de champignons et puis qui l'avait, je crois, mis à la porte pour mettre une plus jeune à la place. Et puis elle connaissait voilà. Tout le monde, il y a 35 ans qu'elle faisait les marchés. Et puis alors elle est venue vers moi, et puis depuis, ben, elle vient de donner un petit coup de main au bout de septembre. Et puis c'est super, elle connaît tout le monde, on rigole bien, elle est super sympa et tout. Voilà. 50 grammes? Oui, je crois que ça peut aller. Ah, des chanterelles, ça fait 3 semaines, 1 mois que j'ai plus de chanterelles suisses. Hein. Normalement, à cette saison, je trouve un peu au Mont Pèlerin des chanterelles améthystes. J'étais voir mercredi, il n'y en a pas une seule. Là. Il n'y a rien, rien, rien. Les pieds bleus sortent pas. Là aussi, il y avait quelques bolets, mais il n'y en a pas. Oh. À l'époque, sur tout ce bout de forêt, là, j'ai rempli des paniers et des paniers de bolets. Il y en avait des quantités. Ça fait 10 ans qu'il n'y en a plus, depuis qu'ils ont coupé. Il y a toute cette végétation qui a poussé, et puis voilà. Avant, c'était un joli tapis de mousse, on voit, il reste encore quelques endroits. Et partout où vient tout ça, cette espèce de fouillis, de ronces, de... on ne sait pas ce que c'est, des vernes. Des... Et c'est ça qui a envahi maintenant toutes les forêts. Toutes ces forêts qui ont une végétation comme ça, il n'y a plus de champignons dedans. Alors, voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Le gros problème depuis quelques années, puis une quinzaine d'années, c'est voilà, ces coupes de bois monstrueuses, c'est un véritable désastre mycologique, un désastre total. Et j'assume les mots. Donc ils ont enlevé tellement d'arbres que le soleil rentre et puis les forêts sont complètement détruites. Si on enlève les sapins puis qu'après il n'y a plus que des ronces et des sureaux ou du sorbier, eh ben il n'y aura plus de bolets. Donc c'est fini, ça c'est alors voilà. Il y a même des bûcherons que je connais qui ont arrêté leur métier parce qu'ils voulaient plus faire le travail qu'on leur disait de faire. Voilà, sous prétexte, il faut que ça rapporte profit immédiat et c'est tout. Là, des fois, on trouve des fois des pieds de mouton ici, mais cette année, ils ne sortent pas, les pieds de mouton. On peut trouver... Là, de l'autre côté, il peut y avoir des chanterelles d'automne, un peu, des tubéformis. Allez voir. Ah, il y en a une ou deux, là. Une ou deux chanterelles d'automne. Ça, c'est un... Ouais, c'est un Xerocomus banius, ça. C'est le bolet baie. C'est ce que les Suisses allemands, ils appellent ça le Maronenröhrling. Et au niveau du goût, alors, c'est un des tout bons. Xerocomus chrysotéron. On va... passer par là, il y a encore un coin là où on peut me trouver une ou deux. Je vais directement un peu dans les coins où je sais exactement ce qu'il peut y avoir au pied de chaque arbre. J'emmène des copains aussi, je les emmène volontiers dans la forêt sans aucun problème. Bon, j'ai certains copains à qui je les montrerai pas parce qu'ils iront les chercher, donc pour me les vendre, alors je préfère ne pas leur montrer, disons, ça c'est. Vous avez retrouvé quelque chose alors ce oui, soir? Oui, un peu, ah ouais, un super. Peu de tout, un petit mélange. Voilà. Alors on va regarder ça. Oui. Hein? Nébuleux. Nébuleux, ouais, ah. De nouveau kétocybe nébuleux.
Mais ça, c'est bon. Alors, ça dépend. Hein. Alors, ils sont mangés pendant très longtemps, c'est kétocible. Et puis, tout d'un coup, on s'est rendu compte que des fois, des personnes avaient quand même des problèmes d'estomac. Et puis, ils ont une odeur. Oui. Il faut vraiment les sentir. Non, non. Une odeur assez très fleurie, assez écœurante. Il faut vraiment se mettre l'odeur dans le nez. C'est le contrôle qu'on fait le dimanche soir, justement, pour les personnes qui vont aux champignons puis qui ne connaissent rien. Donc, on veut maintenant éviter les intoxications, ce qui est quand même grave actuellement, parce que les gens, ils ramassent n'importe quoi, ils mangent n'importe quoi. Donc, si on peut éviter, c'est quand même une bonne chose. Ils viennent tout de suite moisis, c'est un peu le problème. Je crois, on dirait. Oui, c'est une petite russule. Ouais. Je ne sais pas laquelle c'est. Ah ben c'est clair qu'on ne les connaît pas tous quand même. Hein. Il y a tellement d'espèces. C'est pas parce que je suis contrôleuse que je sais tout. Hein. Il y a tellement de champignons que c'est difficile de tout savoir. Il faudrait des vies et des vies. Ça évolue tellement qu'il y a toujours quelque chose à découvrir. Une nouvelle espèce ou un nouveau caractère. Mais ça peut arriver hein, qu'on ne sache pas. On n'a pas la science infuse. Ouais. Malheureusement, c'est ces petits gymnopilus. Ouais. On ne peut pas consommer non plus. Ça, c'est une russule au creloca. Elle n'est pas comestible non plus. Elle est mauvaise, elle a mauvais goût. On essaie de séparer par pièce. Alors, vous avez des petits laquers, laquers améthystes. C'est mangeable, mais il faut enlever le pied. Et puis ceux-là, là, ils sont pas très frais. Okay. Bonsoir. Bonsoir. Ah, ben, vous avez du bol, vous. Ben, on a trouvé ça, voilà. Eh ben, c'est pas mal. Hein. Je connais pas. Vous n'avez pas perdu votre journée. Ils sont bons. Ouais, ils sont super beaux. Voilà. Mmh, ouais, super beau cep. Ouais, c'est bien. Okay. Voilà. Moi, si je ne peux plus aller aux champignons, moi, c'est fini. Si je ne peux plus sortir, plus marcher, plus rien faire, moi, c'est fini. J'ai plus besoin d'exister, presque. Je suis obligée d'aller en forêt, comme ça, je suis tranquille. Bah, écoute, quand t'es là, tu peux être que bien. Il n'y a pas d'autre solution, quoi. C'est génial. Tu t'oublies tout. À un moment, c'est un moment magique, tu oublies tout. T'es là, tu regardes les arbres, il y a un rayon de soleil, t'entends l'eau qui coule, puis après, il n'y a plus rien. Dans le monde où on vit, Manon, j'aime bien m'imaginer ce petit coin où on peut rêver encore. Salut les filles. Moi, j'ai toujours aimé des tout petits bonheurs, c'est ça, ou un petit peu au jour le jour, comme ça. Je ne fais pas de projet à long terme ou comme ça, mais c'est vrai que les petits bonheurs, moi, je suis content parce que voilà, un jour, je vais aller manger avec des copains un soir, ou il y a peut-être un autre petit truc qui va se passer comme ça, ou je dis, ah ben tiens, ça c'est chouette, je me réjouis. Oui, je vis qu'avec des, comme ça, de petits bonheurs, de petits trucs comme ça qui me suffisent amplement. Voilà.
À 70 ans, je plais encore. Salut les petites filles. Donc je peux continuer à travailler, tant que ça joue comme ça, que j'ai la santé, ça va très bien. Moi, j'ai du plaisir en plus à faire mon travail. Tant que je peux continuer physiquement, j'ai pas de raison d'arrêter. Disons, ben, j'aime ça, j'aime bien ce que je fais.